Togo est fou. Le Togo à votre portée. Les conséquences politiques doivent vont s'inscrire en durée, dans le temps. C'est-à-dire que ça peut avoir des ramifications. Normalement, aux États-Unis, aux États-Unis, une telle affaire conduit directement à l'impeachment. C'est-à-dire que le président américain, on engage en même temps la procédure de destitution. Or, notre constitution, la constitution en état modifié du 8 mai 2019, ne prévoit aucun mécanisme en la matière. A contrario, la constitution prévoit plutôt la protection du chef de l'État si il est démis. Il y a alternance. C'est-à-dire que même dans son. En étant chef d'État, on ne peut pas le poursuivre. L'article 115 dit clairement qu'on ne peut pas le poursuivre pour des faits qu'il a posés durant sa gouvernance. Ça, c'est une hérésie. C'est une hérésie. Mais ça veut dire même que cette mouture de l'article 115 montre à suffisance que la galaxie Fonya Singe est certaine de l'incertitude. La galaxie est certaine de l'incertitude des jours. Au fur et à mesure que se passe, de chaque jour que le chef d'État passe au pouvoir, la galaxie est certaine qu'elle n'a aucune garantie de ceux-là qui souvent constituent les pieds du fauteuil présidentiel. Hein? Et la galaxie a conscience que la fébrilité est de mise et que tout peut arriver à tout moment. Et donc il faut assurer un parachute au fils de Adema si jamais les événements se tourner contre lui. Raison pour laquelle ils ont mis la question en train. Mais je dis, au niveau de la société civile, au niveau des groupes de pression, c'est une belle perche qu'il leur a tendue avec l'affaire Bolloré, et quitte à eux de savoir l'utiliser pour obtenir l'alternance, parce que c'est un crime économique, c'est une corruption. Grandeur nature, on a bazardé carrément le poumon de l'économie togolaise. Compte des services légers qui n'ont rien à voir, 35 ans pour le port autonome de Lomé, qu'est-ce que ça a à voir avec la facture que le Bolloré a payé et pour assurer la communication du président de la République pour la présidentielle, lors de la présidentielle en 2010. Alors moi je dis les conséquences politiques, ça va s'étendre dans le temps et déjà que des tractations se font pour que ceux qui portent la voix du peuple pèsent dans le procès, les conséquences politiques doivent s'attendre dans le temps. Et ce que nous l'avons dit, le pouvoir doit s'attendre à des jours mouvementés à venir, selon les éléments que nous observons.